Yeah.
name. Your name is powerful, wonderful, gracious Lord. I worship you tonight. Hallelujah. Your name shall be called wonderful. Be called wonderful. Your name shall be called wonderful. Wonderful. Wonderful.
Alléluia, Alléluia. Bonjour, bonsoir à tout un chacun. Merci, maman Sylvie, merci pour ton soutien. Dieu te bénisse, bisous, bisous. Merci, mon frère Maoussé, merci Rafisco, tu es béni aussi. Rose, sois la bienvenue. Merci à... Michael, sois le bienvenu, merci. Hi to you too. Sabine, je te vois, sois béni. Yvonne, hello. Wie geht es dir? In Deutschland dort. Hello, hello. Salut à tout le monde, salut, 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 salut. Content de vous avoir connecté encore ce dimanche d'astuces de louange. C'est toujours un plaisir de vous avoir connecté. Sans vous, je parlerai en l'air ici, mais vous êtes là, vous me suivez, vous avez confiance en notre ministère. Merci beaucoup. Et merci aussi à tous ceux qui me suivent en coulisses et qui n'écrivent pas, mais qui me suivent quand même. Et merci aussi à vous qui me suivrez après. Merci aussi à vous qui visitez ma page YouTube, Guy Rodrigue Channel. Que le Seigneur de paix vous bénisse. Alléluia, alléluia, alléluia. Comme nous le faisons d'habitude, je vais encore vous demander le chant que vous voudriez bien que je chante avant de commencer. J'ai fait l'introduction comme j'ai l'habitude de le faire maintenant. Proposez un chant que vous voudriez bien que je chante. Amen. Et on va entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Hallelujah. Hallelujah. J'attends. Premier proposé, premier servi. Alors, qui propose quoi? Quel est le chant que vous voudriez bien que j'interprète, que je chante avant qu'on ne commence? Là, My God is mighty to save. Est-ce que je le connais ce chant? Je ne sais pas. Mais ça ne me vient pas en tête. Diane, Vital Prince, seriously? We travel at all.
Alléluia. Pendant que vous êtes bénis ici, je vous prie de partager la vidéo. Amen. Partagez, partagez, partagez. Ma soeur Diane, est-ce que tu as déjà partagé? Ma soeur Kavri, tu as déjà partagé? Salut, salut, salut à toi. Sabine, tu as déjà partagé? Kofi Fire, my brother from long time ago. God bless you. Did you share my video, please? Mamsé, tu as déjà partagé? Pour partager, partager et permettre à plusieurs personnes d'en profiter. Hallelujah. Oui, toi, voilà ton dîner. Oui, ne baisse. Toi qui nous protèges des fléaux, tu nous protèges des dards de l'ennemi, nous te bénissons, nous te sanctifions, nous t'exaltons. Merci à ton nom, Seigneur, toi qui nous as donné la vie, toi qui nous as donné la paix en abondance. Nous sommes en santé aujourd'hui à cause de toi. Tu as souffert pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui.
Jésus, Jésus, merci pour ta main sur nos vies. Merci de prendre contrôle, Jésus. Amen. Coucou, coucou, coucou à vous tous. Gloire à son nom. Homme de Dieu, amenou. Sois béni, pasteur amenou. Alléluia. Mon cher pasteur Jacques, amenou. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie. Très content de te savoir connecté. Encore merci à toi, Kofi Faya, qui a permis à ce que mon live passe live sur ta page. Oh, merci beaucoup. Merci, merci vraiment. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Merci à tous pour le soutien. Quand je vous vois, je suis fortifié. Je sais que je ne prêche pas dans le désert. Alléluia. J'avais annoncé la dernière fois que nous allons partager à partir d'aujourd'hui un enseignement ou une série d'enseignements qui va porter sur le processus que prennent nos chants, jusqu'à ce qu'ils ne sortent pour que les gens l'apprécient. Vous avez composé un chant et vous voudriez bien que ce chant-là sorte un jour sur un album pour que les gens en profitent, pour que beaucoup plus de cœurs en profitent. Eh bien, bien-aimé, j'ai prévu une série d'enseignements que nous allons partager ensemble. Ce sera sur plusieurs dimanches. Ce ne sera pas un enseignement que je vais faire juste un coup comme ça. Tout cela pour faire en sorte que vous qui êtes chantres et qui me suivez, que vous preniez conscience, que vous sachiez comment vous y prendre pour que vos chants deviennent des singles et des morceaux sur des albums qui vont sortir. Et pour vous qui n'êtes pas chantres, que vous soyez conscient de tout le sacrifice qu'un chantre peut faire avant que vous n'écoutiez le chant. Tout le tralala, tout le processus que le chant entreprend pour que vous ne l'appréciez. Et que vous preniez aussi conscience de l'argent que les chantres investissent avant que les albums ne sortent. Gloire au Seigneur, j'ai certains de mes frères en ligne qui en savent beaucoup sur le sujet, qui sont des artistes qui ont déjà fait sortir des albums et des singles et qui savent ce dont je parle. Bien-aimé, avant d'entamer cela, je voudrais juste rappeler quelque chose. Faire sortir un album, faire sortir un single, c'est un sacrifice. Un sacrifice est une preuve de notre amour pour le Seigneur. Alléluia. Un sacrifice est une preuve de notre amour pour le Seigneur. C'est pourquoi, avant d'aborder le sujet sur le processus qu'entreprend un chant pour devenir un single ou un morceau sur un album, je voudrais partager avec nous le prix à payer, le prix de l'amour. Le prix de l'amour. Alléluia! Aujourd'hui, nous tous nous disons que nous aimons Dieu. Nous aimons Jésus-Christ de Nazareth. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Nous l'aimons. C'est extraordinaire. Et c'est bien d'aimer le Seigneur Jésus. Lui-même nous a recommandé de l'aimer. Mais je voudrais dire quelque chose. Il faut que nous arrivions à comprendre cette vérité. L'amour a un prix. L'amour a un prix. Qu'est-ce que cela veut dire? Que si je dis que j'aime le Seigneur, il faut que je sois prêt à payer le prix de cet amour que j'ai pour le Seigneur. Si je dis que j'aime Jésus-Christ de Nazareth, il faut que je sois prêt à payer le prix de cet amour que j'ai pour Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, vous savez, beaucoup de chrétiens chantent, vous allez être surpris, mais pasteurs ou hommes de Dieu, prophètes ou chrétiens de tous bords, la tendance aujourd'hui, c'est
de confesser, de dire à tue-tête, à tout bout de champ, j'aime Jésus, je sers Jésus. Mais chacun veut exercer, ou plutôt chacun veut aimer Jésus à sa façon. C'est-à-dire, chacun veut adorer Jésus, non pas à la façon dont Jésus veut, mais chacun veut adorer Jésus à la façon dont lui-même il veut. On veut bien aimer Jésus, mais on ne veut pas payer le prix de notre amour pour Jésus. Alors, comment arrivons-nous à exprimer cet amour que nous avons pour le Seigneur? Comment pourrons-nous montrer aux yeux de tous que nous aimons le Seigneur? C'est au travers du prix que nous payons, ou au travers du prix que nous sommes disposés à payer. C'est pourquoi j'aimerais que nous repassions une histoire que nous avons déjà lue à maintes reprises dans la Bible. Histoire de corroborer ce que j'étais en train de dire par rapport au prix de l'amour. Nous allons lire dans Genèse 29, à partir du verset 15 au verset 30, où la Bible nous parle de Jacob et de Rachel. Nous connaissons tous bien cette histoire. Genèse 9, 15 à 30. Le jeune Jacob, qui avait fui devant son frère Ésaü après avoir dérobé son droit d'aînesse et ses bénédictions de droit d'aînesse, et qui est venu se réfugier chez son oncle Laban, est arrivé à l'âge où il devrait se marier. Et il a choisi la femme de son cœur. Et la femme de son cœur, c'était Rachel. Mais il s'est fait que, nous connaissons bien cette histoire, il s'est fait que, pour pouvoir garder, ou plutôt pouvoir avoir la main de sa bien-aimée Rachel, il devait payer un prix. Et c'était la dot. Quelle était la dot que son oncle Laban a exigé de lui? Il devait travailler pour lui 7 bonnes années. L'oncle de Jacob, Laban a dit à Jacob, je veux bien te donner ma fille Rachel en mariage, mais le prix à payer pour ton amour pour ma fille, c'est que tu travailles pour moi dans mon champ, dans ma plantation, dans ma bergerie pour 7 bonnes années. Alors, poussé par l'amour, revigoré par l'amour, alléluia, rendu puissant par l'amour, Jacob a travaillé, Jacob a souffert dans le champ, sous le soleil, sous les rosées de la nuit, dans le froid, parce que il voulait épouser sa bien-aimée Rachel, l'amour de sa vie, l'amour de son cœur, le prix de l'amour. Il était prêt à payer de ce prix afin de gagner la main de sa bien-aimée. Et la Bible dit que Jacob a passé ses 7 années en travaillant sans relâche pour son oncle Laban. Avec en pensée le prix à gagner, son amour, l'amour de sa vie, sa bien-aimée, sa belle Rachel. Je vais ouvrir une parenthèse aujourd'hui, dans nos sociétés aujourd'hui, les jeunes filles se vendent, les jeunes filles vont se donner aux hommes qui ne paient aucun prix, qui abusent d'elles et après les jettent comme des peaux de banane, les jettent comme des peaux de citron. Aujourd'hui,
La femme est devenue une marchandise. La femme est devenue une poupée. La femme est devenue une marchandise à vil prix. Que les hommes maltraitent, que les hommes vilipendent. Et ce, à cause de la façon dont les filles elles-mêmes se vendent. Jeune fille, tu ne peux plus rester chez toi à la maison. Pour qu'un homme vienne toquer à la porte de tes parents. Pour payer le prix de l'amour qu'il a pour toi. Tu t'en vas te vendre. Tu t'en vas te jeter dans les bras du jeune garçon. Qui abuse de toi. Qui couche avec toi. Et après il te dit, droit dans les yeux. Je n'ai même pas besoin de toi, va-t'en. Et il t'appelle même prostituée. Le prix de l'amour. L'amour a un prix, bien-aimé. L'amour a un prix. Et il faut payer le prix. Alléluia. Notre société est devenue une société de perversion à telle enseigne que la femme livre son corps juste comme ça. Il y a un chanteur qui a dit cinéma. Il appelle ce spectacle cinéma sans payer. Tu te vends moins cher par ton habillement, bien-aimé, ma soeur. Tu te vends moins cher en portant des habits qui montrent tes parties intimes, qui montrent ta poitrine. Tu te vends à vil prix. Et les hommes te poursuivent. Non pas par amour, mais juste par attirance sexuelle. Jeune fille, jeune femme, si tu me suis maintenant, si tu peux écouter ma voix, reviens de cette voix et reste à la maison pour qu'un homme vienne cogner à ta porte pour payer le prix de cet amour qu'il prétend avoir pour toi. Beaucoup maintenant sont dans leur foyer alors qu'on n'a même pas payé leur dot. Oui, tu me suis maintenant. On n'a même pas payé ta dot. Et tu te dis, tu es marié. Marié comment? Aujourd'hui, c'est les histoires de boyfriend, girlfriend, mon copain, ma copine, mon petit ami, mon grand ami, ma petite amie. Nous devons nous repentir. Le prix de l'amour, l'amour a un prix, bien-aimé. Alléluia. Je referme la parenthèse. Jacob a donc payé le prix en travaillant ardument cette année pour son oncle Laban. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Laban était aussi rusé que Jacob lui-même. N'oubliez pas que le nom Jacob veut dire rusé, trompeur. Laban, au lieu de donner Jacob, de donner Rachel à Jacob comme étant la récompense du prix qu'il a payé en travaillant cette année, merci homme de Dieu. Qu'est-ce que Laban a fait? Laban a donné la sœur aînée de Rachel qui s'appelait Léa à Jacob. Jacob, dans la nuit, c'est-à-dire au matin de leur noce, parce que dans l'ancien temps, on couvre le visage de la fille. Tu ne vois pas le visage. Donc, Jacob ne savait pas que ce n'était pas Rachel qui lui a été amenée dans la chambre la nuit. Jacob ne savait pas que c'était la sœur aînée de Rachel qu'on lui a amenée. Et le lendemain, grande était sa surprise et frustré qu'il était. Parce qu'il a travaillé 7 ans, il a payé le prix de son amour, bien aimé. Et il était mécontent, il a parlé à son oncle. Mon oncle, pourquoi m'as-tu trompé? J'ai travaillé 7 années pour toi, pourquoi m'as-tu trompé mon oncle? Et à l'oncle de lui dire,
Il y a une culture chez nous. On ne donne pas la cadette en mariage avant l'aîné. Mon cher Jacob ne savait pas cela. Et l'oncle de continuer? Ok. On t'a déjà donné Léa. On t'a déjà donné l'aîné. Maintenant, ce que tu as à faire, c'est juste travailler encore cette année pour moi et je te donnerai Rachel. Vous voyez, il était censé travailler cette année pour avoir Rachel. L'amour de sa vie. J'insiste sur ce mot. L'amour de sa vie. Voilà maintenant qu'il est en train ou qu'il est en passe de travailler 14 années pour avoir Rachel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jacob, même dans sa frustration, n'a pas refusé ce deuxième contrat avec son oncle. Parce que l'amour qu'il avait pour Rachel était plus fort. Bien-aimé, l'amour est puissant. C'est pourquoi le sage pouvait dire, ne réveillez pas l'amour. Ne réveillez pas l'amour pendant qu'il est... C'est-à-dire, ne le réveillez pas avant son temps. Je suis en train de paraphraser. Donc, Jacob a accepté souffrir encore sous le chaud soleil, sous la pluie, sous la rosée, travaillant pour quelqu'un d'autre, alors qu'il devait travailler pour lui-même et protéger sa famille. Il travailla pour son oncle encore 7 bonnes années. Et qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, on lui a donné l'amour de sa vie. Rachel. Il aimait tellement Rachel et tout le monde, même la sœur aînée de Rachel, savait que cet homme m'avait épousé par accident, mais l'amour de sa vie, c'était Rachel. Et c'est justement Rachel qui lui a donné Joseph et Benjamin. Et Joseph, vous connaissez toute cette histoire, c'est Joseph qui a sauvé Israël et toute sa famille de la famine. C'est Joseph qui est devenu premier ministre en Égypte. Alléluia. Le prix de l'amour. Jacob a accepté de travailler 14 années. Est-ce que vous vous rendez compte? 14 années de travail. Ok. Il y a combien de mois dans une année? Il y a 12 mois, n'est-ce pas? Maintenant, multipliez 12 par combien ça? Par 14. Et vous verrez le nombre de mois que Jacob a travaillé. Si on payait à Jacob une salaire mensuelle de combien? De 50 000. Multipliez ces 50 000 là, 50 000 par mois, si on multipliait les 50 000 là, fois 12, par 12, et par les 14 années, vous allez voir, vous allez voir à peu près combien Jacob a dû payer pour acquérir Rachel, l'amour de sa vie. Bien-aimé, quel est le prix que nous payons pour notre amour, pour Jésus? Merci ma sœur Josiane. 144 mois. Maintenant, multipliez 50 000 par 144. Vous pouvez donner le résultat live, que tout le monde le voit. Comme ça, je le fais en francs CFA. Je ne veux pas le faire en dollars. Je le fais en francs CFA. 50 000 francs CFA fois 144 mois pour voir combien ce gars a payé comme dot pour son amour. L'amour de sa vie. Revenons ici. Qu'est-ce que nous payons comme prix pour l'amour que nous avons pour Jésus? Nous sommes incapables de prier quand il nous réveille, quand il nous appelle à venir le rencontrer. Nous sommes incapables de lire sa parole.
Nous sommes incapables de passer ne serait-ce que 30 minutes dans la prière. Nous sommes incapables d'évangéliser, de dire à quelqu'un que Jésus l'aime. Nous sommes incapables de venir à l'heure à l'église. Incapables de venir à l'heure, aux répétitions. Nous sommes des chrétiens de dimanche. On nous demande, on n'a aucun ministère dans la maison de Dieu. Mais au même moment, nous disons, oh Jésus, nous t'aimons. Ha! How do you and I love God? How do we love Him? Mamma mia, mamma mia. 7 200 000 francs CFA. Merci ma sœur Diane. 7 200 000 francs CFA pour la dot. Vous vous rendez compte? Et si tu es un jeune homme et tu vas te marier et les parents et les parents de ta fille que tu aimes, que tu prétends aimer, te demandent cette dot-là. C'est-à-dire que la totalité de tout ce qu'on t'a demandé là, quand tu calcules, c'est ça le prix. Est-ce que tu ne vas pas dire à la fille, ok, ma soeur, tu sais quoi? Soit tu négocies avec tes parents et on diminue ça, soit je t'aime bien, mais on ne peut pas, on peut plus continuer. Quel est le jeune homme qui va accepter payer cette dot-là à une jeune fille aujourd'hui? Aujourd'hui? Mais Jacob l'avait payé, bien-aimé. Jacob l'a payé. Alors, bien-aimé, nous disons que nous aimons Jésus. C'est très bien. Tu es dedans, je suis dedans. Toi et moi, nous disons que nous aimons Jésus. Nous le chantons sur tous les toits. I love you, I love you. How do we love him? How do we prove to him that we really, we do love him? How do we manifest our love toward him? Comment est-ce que nous prouvons à Jésus que toi et moi qui suis en train de parler, nous l'aimons effectivement? Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, comment pouvons-nous garder les commandements si on ne les lit même pas? Le Seigneur Dieu, à la mort de Moïse, avait dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. En vivant selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué 1.8. Et il a enchaîné au verset 9 en disant, ne t'ai-je point donné, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, car ton Dieu sera avec toi. Fortifie-toi et prends courage, car ton Dieu sera avec toi. Mais il a précédé cela en disant que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alors, comment est-ce que toi et moi, nous osons dire que nous aimons le Seigneur? Quel est le ministère que nous faisons dans sa maison? David a dit, le zèle de ta maison me brûle. C'est-à-dire que David ne pouvait pas voir des choses, des bizarreries, de la saleté dans la maison de Dieu et se taire. Il devait faire quelque chose. C'est pourquoi même il avait pris sur lui de construire le temple. Et il avait demandé à Israël d'apporter de la richesse. Israël en a apporté. Lui-même, il en a amassé. C'est pourquoi son fils Salomon n'a pas eu de difficulté pour construire le temple. Parce que il y avait déjà la provision. Le zèle de ta maison me brûle.
Comment prouvons-nous au Seigneur que nous l'aimons? Nous sommes capables aujourd'hui de dépenser des sommes astronomiques pour nos voitures, pour nos make-up, pour nos maquillages, pour nos chaussures, pour nos... Toi-même qui viens à l'école, quand on calcule, qui vient à l'église, pardon, quand on calcule le prix de ton habit, du haut, ta coiffure, habit, jusqu'en bas, tu peux atteindre facilement 200, 250 000. Francs CFA. À peu près 400 dollars, 500 dollars. Quand on calcule tout ton habillement. Mais quand tu viens à l'église, tu n'as pas assez d'argent à apporter pour soutenir le ministère. L'argent que nous donnons à l'église, l'argent ne monte pas vers Dieu. En fait, Dieu n'a pas besoin de notre argent. C'est pour que l'œuvre là, dans l'église, avance. Parce que l'œuvre a besoin d'argent. Combien est-ce que nous investissons dans l'œuvre de Dieu? Combien d'orphelins supportons-nous? Combien de veuves avons-nous habillées durant tous ces mois? L'année a déjà commencé, ça fait, nous sommes dans le quatrième mois. Combien de veuves avons-nous habillées? La sœur qui est assise à côté de toi à l'église a un panier déchiré. Tu le sais, le Seigneur te l'a montré. Qu'est-ce que tu fais par rapport à cela? Le Seigneur a dit, si vous le faites à ces petits enfants, c'est à moi que vous le faites. Cela veut dire, si vous ne le faites pas à eux, c'est à moi que vous ne le faites pas. Le prix de l'amour. Le prix de l'amour. En tant que serviteur du Très-Haut, nous devons être prêts à payer le prix. Je suis chantre. Je touche un peu au piano. Je dois être prêt à payer le prix. Par mon temps, en mettant à disposition mon temps, mon argent, mon énergie, mon corps, mon âme, mon esprit. En étant disposé au Seigneur. Parce qu'il peut parler à n'importe quel moment. Il peut te dire, fais ceci à n'importe quel moment. Et il faut être connecté tout le temps. Dieu lui-même a montré l'exemple. Dieu lui-même, le Père, a montré l'exemple. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, tout ce que je fais, je l'ai vu de mon Père. Dieu lui-même a montré l'exemple. Jean 3, 16. Car Dieu a tant fait quoi? A tant aimé. Dieu a tant fait quoi? A tant aimé. Il a tant aimé. Quoi? Le monde. Qu'est-ce qu'on appelle le monde? Les humains que nous sommes. Avec nos péchés. Avec nos infamies. Avec nos erreurs, nos fautes, nos inimitiés, avec nos adultères, avec nos mensonges, avec nos commérages, Jésus, ou plutôt Dieu, nous a aimés dans notre situation, dans notre boue, Rekabaha. Il nous a aimés tels que nous sommes. Il n'a pas demandé à ce qu'on change avant de nous aimer. Il nous a d'abord aimés. La Bible dit que Jésus est venu mourir pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Donc Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire nous, et il a fait quoi? Il a donné. Il a donné quoi? Il a choisi parmi ses fils ce fils-là qui ne lui importe pas tellement et il l'a envoyé. C'est ça ce que la Bible dit? Non. Il a aimé et il a envoyé son unique. Son unique. Son fils. Son unique. Le seul qu'il avait. Pour venir nous retirer
tirer de la boue et nous laver par son sang. Il a envoyé son unique pour qu'il vienne prendre nos places, pour qu'il vienne subir ce que nous devrions subir à cause de nos péchés. Et je vous l'avais dit tantôt, je crois il y a deux dimanches de cela, quand le Fils unique l'a été descendu sur terre, il n'était pas descendu avec sa gloire. Il est venu prendre la peau, l'aspect d'un serviteur, même des derniers des serviteurs. La Bible dit de lui, nous l'avions lu la dernière fois, dans Ésaïe 53, son aspect même n'avait ni beauté ni éclat. Son visage était défiguré. Mais Jésus est venu prendre nos places. Parce que Dieu l'a envoyé par amour pour nous. Donc quand Dieu a aimé, il a prouvé, il a manifesté. Et comment est-ce qu'il a manifesté? En donnant son unique, Jésus. C'est pourquoi toi et moi aujourd'hui, nous pourrons chanter gloire. Nous pourrons chanter alléluia. Nous étions des mauvais, nous étions des maudits. Nous venions des familles maudites. Mais Jésus a eu pitié dans notre situation de vaurien. Dieu nous a aimés. Il a envoyé son unique, le seul qu'il avait, pour nous racheter, briser nos malédictions, détruire la pauvreté de nos vies, transformer nos mentalités pour faire de nous de nouvelles créatures. Aujourd'hui, nous sommes beaux, nous sommes belles, nous ne sommes plus sous le coup de l'ennemi. Satan ne peut plus nous trimballer partout où il veut. Aujourd'hui, nous pourrons nous tenir devant lui et lui dire, Satan, tais-toi! Et il se tait au nom de Jésus. Nous pourrons lui dire, Satan, va-t'en d'ici! Et il s'en va. Bien-aimés, comment, à notre tour maintenant, manifestons-nous cet amour au Seigneur? Jésus, trois fois de suite, a demandé à Pierre. Jean, le chapitre 21. Jean, le chapitre 21. Jésus a demandé trois fois à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Et c'est la même question qu'il nous pose maintenant. Toi qui me suis, Guy Rodrigue, m'aimes-tu? Et puis il avait dit quelque chose. La première question c'est, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Vous voyez? Jésus lui-même a comparé les choses. Il y avait les disciples, il y avait les apôtres, mais il a pris Pierre. Il n'a pas pris Jean pour lui poser cette question. Il n'a pas pris Jean. Or, Jean était plus proche. La Bible dit que Jean était le plus jeune et c'est lui qui se couchait souvent sur, sur la poitrine de Jésus. Puisqu'il était le plus jeune parmi eux, il était souvent collé à Jésus, collé. Quand les disciples veulent demander quelque chose à Jésus, c'est Jean qu'ils envoient. Vas-y lui demander. Donc, vous comprenez? Mais Jésus, après sa résurrection, n'a pas pris Jean de côté pour lui poser cette question. Il a pris plutôt Pierre pour lui dire, pour lui poser la question. Pierre, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Cela veut dire, m'aimes-tu plus que tes frères, apôtres, tes frères, disciples? La même question te vient. Guy Rodrigue, Yasmine, Josiane, Tasha, m'aimes-tu plus que ceux qui me disent qu'ils m'aiment? M'aimes-tu? C'est une question à laquelle chacun d'entre nous doit répondre honnêtement. M'aimes-tu? Do you love me? Do you love me more than those people? Do you love me more than the others? Parmi tous ceux qui professent mon nom et qui disent, Seigneur, nous t'aimons à longueur de journée, toi, m'aimes-tu?
Guy, m'aimes-tu? Plus que ceux-ci? Si tu dis que tu m'aimes, prouve-le-moi en m'accordant ton temps. Prouve-le-moi en me livrant ton cœur pour que je domine sur toi. Prouve-le-moi en prenant mon joug sur toi. Prouve-le-moi en te laissant diriger. Prouve-le-moi en n'étant plus en retard dans mes choses. Tu es toujours à l'heure au boulot, toujours à l'heure au cours, mais en retard à l'église. Prouve-le-moi. Prouve-le-moi en prenant mes choses au sérieux. Tu es chrétien, ça fait très longtemps, mais tu ne sais même pas ce à quoi Dieu t'a appelé. Tu ne fais rien dans la maison de Dieu. Tu n'as aucun ministère. M'aimes-tu? Jésus parle, m'aimes-tu? Plus que ceux-ci? Do you love me? Do you? Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Aber wie? Wie liebst du mich? Wie? Alléluia. Quand le Seigneur avait posé cette question à Pierre, Pierre, surtout la troisième fois, était déçu. Parce que Jésus lui a posé la question trois fois de suite. Et il lui a dit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et Jésus, comme les premières fois qu'il lui a posé la question, lui a dit, Père, mes brebis. C'est-à-dire, prends soin de mes brebis. Maintenant, Jésus est en train de nous parler. Ce n'est plus Pierre, c'est moi, c'est toi. M'aimes-tu? Prends soin du ministère que je t'ai donné. M'aimes-tu? Sois sérieux par rapport à ton adoration. M'aimes-tu? Prends soin de la grâce des dons que je t'ai donnés. Prends soin des investissements que j'ai fait en toi. Tout ce que tu sais faire, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas fortuit. Tu l'as pour un but, tu l'as pour un objectif. M'aimes-tu? Prends soin. Prends soin. Prends soin. Ah, prends soin. Prends soin de ce que tu as. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus avait dit à l'une des églises, prends soin de ce que tu as, afin que personne ne te l'arrache. Prends soin de ce que tu as. Je crois que ce devrait être l'église de Laodicée. Prends soin de ce que tu as. Afin que personne Alléluia. Je n'ai pas trouvé. Mais ce n'est pas l'église de Laodicée. Prends soin de ce que tu as afin que personne ne te le retire. Alléluia. Comment est-ce que nous aimons le Seigneur? Voilà le prix à payer. Tu aimes le Seigneur? Accepte de payer le prix. J'aime le Seigneur? Nous devons accepter de payer le prix. Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Et
Pendant que nous méditons sur ces mots, permettons que le Saint-Esprit nous parle en profondeur. Bien-aimé, je ne suis pas ici pour donner des leçons, je ne suis pas un donneur de leçons, doigter les gens, dire toi, toi, toi. Moi-même qui suis en train de parler, je suis concerné. Vous savez, je veux aller au ciel moi aussi. Je veux pouvoir voir mon Seigneur face à face un jour. Et ces choses, je me dois moi aussi de les pratiquer. Les mêmes questions que le Seigneur nous pose, il me les pose aussi. Amen. Le prix de l'amour. Le prix de ton amour, ce sera ta persévérance. Le prix de ton amour, ce sera ta détermination. Malgré tout ce qui te distrait, ta détermination à être focalisée sur le Seigneur. Le prix de ton amour pour Dieu, c'est à accepter aussi les persécutions. Parce que ça arrive aussi parfois. Quand Pierre a demandé au Seigneur, mais qu'est-ce que nous avons? Nous t'avons suivi, nous avons tout laissé. Il a dit, tous ceux qui m'ont suivi, en vérité, je vous le dis, ils retrouveront tout cela au centuple. Tout ce qu'ils ont laissé, ils retrouveront cela au centuple. Et il a ajouté avec des persécutions. Alors, la persécution aussi fait partie du prix à payer. Les apôtres ont payé le prix. C'est pourquoi nous avons l'évangile aujourd'hui. Nous aussi, nous devons accepter de payer le prix pour les générations à venir. Alors, quel que soit ce que le Seigneur te demande de faire, quel que soit le prix que le Seigneur te demande de payer, sois fidèle jusqu'à la mort. Au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vie. En elle est la vie. En elle est la grâce. Nous ne pourrons rien faire sans toi. Nous ne pourrons pas vivre sans toi. Nous te prions de nous fortifier, Jésus, à payer le prix qui doit être payé, à jouer notre part de la partition, pour que ton plan parfait pour cette humanité puisse s'accomplir. Je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur qui me suit maintenant. Fortifie le cœur de chacun, parce qu'il y en a qui savent qu'ils doivent payer un prix, qui savent même le prix à payer, mais qui ne sont pas disposés à le faire. Parce qu'ils ont peur. Mais il est écrit que nous n'avons pas reçu un esprit de peur ni de timidité. Pour être encore dans la crainte, nous avons reçu un esprit de force par lequel nous crions « Abba Père ». Dans le nom de Jésus. Jésus, merci de ce que tu nous sauves maintenant. Jésus, merci de ce que tu nous libères maintenant. Jésus, merci de ce que tu nous fais grâce maintenant. Nous t'adorons, nous te sanctifions. Nous te proclamons roi, Seigneur. Alléluia. Jésus, merci. Jésus, ton nom Jésus, ton nom.
Jésus. Seigneur, que cette vie qui est dans ton nom prenne possession de nos cœurs, de nos âmes et de notre esprit, pour que nous vivions rien que pour toi, que nous fassions la différence dans ce monde perverti, désobéissant, ce monde pervers, ce monde au cou roide, ce monde au cou endurci qui ne veut rien entendre de toi. Nous voulons briller comme des lumières placées sur le haut de la montagne, telle une ville rayonnante. Dans le nom de Jésus, fortifie chacun d'entre nous et qu'au nom de Jésus, nous fassions la différence. Nous le prions dans le nom de Jésus. Amen. Yes, merci beaucoup, bien-aimé, de m'avoir suivi. J'ai pris assez de votre temps encore aujourd'hui. Désolé, merci. Merci d'être patient, de me suivre jusqu'alors. Je vous avoue que ce n'est pas facile de suivre un Facebook Live. Merci, merci pour la patience. Puissions-nous aller maintenant éprouver notre amour pour le Seigneur au travers de la façon dont nous le servons, au travers de la façon dont nous l'adorons. Soyez bénis au nom de Jésus. Vous retrouvez la vidéo tout à l'heure sur YouTube, Guy Rodrick Channel. Si tu n'as pas encore souscrit à ma page, si tu n'es pas encore abonné, vas-y, YouTube page, Guy Rodrick Channel. Tu cliques sur le petit rectangle rouge et tu cliques aussi sur la petite clochette qui est là-bas pour activer les notifications afin d'avoir toutes mes vidéos, d'être informé si je mets une autre vidéo, une nouvelle vidéo sur YouTube. Donc je vous encourage à passer. Merci aussi de partager cette vidéo à vos amis. Si vous vous sentez béni par ces moments que nous partageons, je vous encourage à partager cette vidéo. Merci sincèrement. Et allons pour payer le prix de notre amour pour le Seigneur. Dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Amen.